La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Monsieur Jean-Pierre Vigier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la mascarade continue. Vous êtes sur des sables mouvants. Plus vous vous agitez, plus vous vous enfoncez. Nous apprenons finalement que vous refusez de prononcer un discours de politique générale, craignant visiblement l'issue du vote. Après 5 jours de tergiversation, le président de la République vous a sommé de ne pas démissionner. Monsieur le Premier ministre, tout ça pour ça. Toute cette invraisemblable cacophonie n'aura permis au fond que de mettre en lumière l'affaiblissement de l'exécutif et votre incapacité à former une équipe gouvernementale digne de ce nom. Depuis 10 jours, de refus en refus, vous êtes incapable de trouver un ministre de l'Intérieur alors que la sécurité est plus que jamais la préoccupation première des Français. Quand on pense qu'il y a encore quelques jours, le président de la République nous présentait le départ de M. Collomb comme une simple péripétie. Vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Et pendant ce temps-là, les retraités sont écrasés par les augmentations de CSG. Les classes moyennes matraquées par les augmentations d'impôts. Et la délinquance continue d'augmenter. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à ce psychodrame? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je sais la place importante que... Monsieur Jacob. Seul le Premier ministre a la parole et on l'écoute. S'il vous plaît. Asseyez-vous, Monsieur Fasquel. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous disais, monsieur le député, que je sais la place qu'occupe dans notre démocratie la presse, les commentateurs, qui sont libres de leur expression, dont nous avons besoin, et qui sont un garant de la démocratie. Il se trouve que j'ai pour habitude, monsieur le député, et c'est une ancienne habitude, de ne jamais commenter les rumeurs. Certaines m'amusent, d'autres me consternent, et il n'est pas impossible même que parfois elles m'affligent. Mais en aucune façon, monsieur le député, je ne les commente, pour une raison très simple. C'est que je pense que ça n'apporte strictement rien, ni à l'action publique, ni même au débat public. Je vous ai dit, et vous savez parfaitement, quel est le droit. Les attributions du Premier ministre et celles du Président de la République qui, le moment venu, procédera aux nominations. Je peux vous dire une chose, monsieur le député, puisque vous semblez vous inquiéter, et je ne perçois aucune once de mauvaise foi dans votre propos, bien entendu, puisque vous semblez vous inquiéter de ce que le gouvernement ne serait pas consacré tout entier à son action. Eh bien, je veux vous dire, monsieur le député, qu'hier... Peut-être cela vous a-t-il échappé, parce que peut-être trouvez-vous ce sujet anecdotique. Mais hier, le ministre d'État, ministre en charge des transitions, obtenait à Luxembourg, grâce à l'influence de la France, un accord tout à fait remarquable sur un sujet dont tous ici nous sommes convaincus qu'il est essentiel, celui de la transition et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Je veux vous dire, monsieur le député, que ce matin... Jean-Paul Delevoye, vous le connaissez, haut commissaire que j'ai nommé, a rendu public
les conclusions de la première phase de discussion que nous avons engagée sur la réforme des retraites. Vous avez choisi de ne pas en parler, c'est dommage. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Vous auriez pu indiquer, monsieur le député, mais vous ne m'écoutez guère, vous auriez pu indiquer que dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre.